Depuis le 1er janvier, la loi votée en 2014 sur le stationnement payant oblige les communes à remplacer l'amende forfaitaire par un forfait post-stationnement. La ville d'Antibes-Juan-les-Pins, qui se démarquait déjà en offrant des conditions de stationnement plus avantageuses qu'ailleurs dans le département, a décidé de les maintenir. Les plages horaires de stationnement restent identiques, du lundi au vendredi, de 9h à midi et de 14h à 18h. Le reste du temps, c'est gratuit, c'est-à-dire le soir, à l'heure du déjeuner, les week-ends et les jours fériés. La première heure de stationnement est systématiquement gratuite. Attention, ce n'est qu'une seule fois par jour. Il est désormais obligatoire de saisir l'immatriculation du véhicule sur la borne. Le ticket sous le pare-brise n'est plus obligatoire car les agents disposent d'appareils de contrôle numérique. La tarification évolue. Par exemple, pour un stationnement de 2 heures, il vous en coûtera 1 euro avec l'heure gratuite et pour 2h30, il faudra payer 2 euros. Au-delà, le montant sera plus élevé. La durée du stationnement ne pourra excéder 3 heures. Le paiement sans contact fait son arrivée. Tous les horodateurs sont d'ores et déjà équipés de cette technologie, mais le paiement en espèces reste toujours possible. Enfin, pour les personnes qui auraient mal anticipé leur durée de stationnement, la possibilité de s'acquitter d'une rallonge à partir d'une autre borne, même plus éloignée, est possible. En cas de dépassement de temps ou de non-paiement, l'automobiliste sera redevable de 17 euros, la somme correspondant à la durée maximale de stationnement. Il est important de souligner que le montant de ce forfait post-stationnement reste identique au montant de la verbalisation qui se pratiquait avant 2018, ce qui n'est pas le cas de toutes les communes, certaines sont allées jusqu'à 60 euros. Ce dispositif, qui vise à favoriser la rotation des véhicules afin de rendre plus attractifs les centres-villes, fera l'objet d'une étude en vue d'une optimisation dans les mois à venir.